Et bien bonjour à tous, c'est épisode numéro 19 hein, de notre Let's Play sur Pokémon Wild Singing Grec. Les gens, la dernière fois, on avait combattu l'arène, on avait First Try. On avait bien call le Shaman Sky, et surtout, on s'était rendu compte que niveau, c'était un peu just. Et voilà. Aujourd'hui, on va continuer l'aventure tranquillement. J'ai pas XP, j'ai rien foutu, spoilers, j'ai pas joué depuis des lustres. Je tourne le 24 novembre et j'ai pas joué depuis le 4. Ça fait 20 jours. Ça fait 20 jours que j'ai pas joué. Voilà. Voilà, niveau temps de jeu vidéo, je suis 13 à la rue en ce moment. C'est indéniable, hein. Mais bon, hein. Mais bon, heureusement, il y a du Réunion qui est revenu. Il y a surtout le Blue Keizo qui est là et j'ai pu, du coup, eh bien, prendre... Mais la route est toujours barrée. La route est toujours barrée. Mais j'ai battu l'arène pourtant. Ah, pardon. C'est une bombe. C'est qui eux? Déjà. On t'avait peur, c'est pas le but. N'est qu'il y avait pas un guet-apens. Ouais. Les monts. Ah mais je peux passer? Bah je peux passer, qu'est-ce que vous me faites chier là? Pourquoi tu me dis que c'est fermé? Donc j'ai regardé un peu les Pokémon qu'il y a ici, il y a juste Fermite à la rigueur de plutôt pas mal, il y a également quand même Cricknot, hein, bien sûr. Mais bon, pas non plus dingue. Par contre en termes de repos, je suis comment là? Ok ça va. Je suis plutôt bien gay. Ok, donc ça c'est des Pokémon ça. Attendez, on va peut-être activer le cherche-objet. Comment ça? C'est ma gueule là? Ah oui d'accord, ok, fallait vraiment aller frontal quoi. Franco. Une roche lisse. Oh la route est chiante. Oh la route est chiante. Oh, la route est chiante, hein. La route est relou, là. Non. Oh, attends, je pouvais juste passer par là. Oh là là. Oh. Cricknot, c'est pas dégueu, hein. Méga Karchakrok, bien sûr, vous savez ça, hein, toi-même tu sais, hein, bien sûr. Après, Karchakrok tout court, c'est déjà bien aussi. Hein. Mais c'est intéressant, ça. Non mais... Ah, je sens que ça va être long. Mieux de... Putain, mais j'ai l'impression qu'il spawn, mais c'est pas genre immédiat quoi. Il spawn, mais c'est pas genre immédiat quoi. C'est ok.
Big Knot, excuse-moi. Je viens de tourner Xenoverse, ça m'a un peu fatigué. Est-ce que Greek Knot il tient le lame d'air déjà? Le problème c'est que je saurais jamais s'il tient normalement parce que je me suis pris un crit. Il s'est pris un crit. Ouais. En fait, les Pokémon me cherchent. À partir du moment où ils me repéré, ils veulent me chiquer, quoi. Hop là. Est-ce que tu tenais l'Ander sans crit? Non. Moi, c'est bon à savoir. Ah c'est marrant, tu bouges pas, il bouge pas. Oh mais nique-toi. On va passer un bon moment, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Un moment merveilleux en perspective, bien sûr. Super Bowl comme sa couleur, bien sûr. Hop là. Oh, la capture critique. Trust. Ça rentre là, c'est cool, hein. Je vais le capturer au cas où, mais Karchakrok c'est fort, mais bon. Ouais. Ah ouais. Ok. Ok. Ray Garchomp, j'ai déjà eu dans un let's play, je crois. Ou j'ai déjà eu dans Bloody. Bloody Platinum. I remember. C'est un vrai sort, ça? La Team Flair. La paralysie, c'est vraiment un des statuts dans Pokémon qui s'est sûrement fait le plus nerf. Enfin, la brûlure aussi s'est fait nerf en passant de 12 à 6% de dégâts, mais la paralysie, vraiment, parce que là, ça me fait penser en lisant le panneau. La paralysie, c'est sûrement un des trucs qui s'est fait le plus nerf dans Pokémon. Et pourtant, malgré tout, ça reste extrêmement fort, même encore aujourd'hui de nos jours, quoi. C'est quand même un délire, quoi. Comme dingue, quoi. Je pense qu'il s'est fait le plus taper de ouf, la paralysie, pourtant. Et pourtant... Attendez. Ouais, donc en fait, l'entrée de la centrale, elle est à l'ouest, hein. Des fois, la cam... Oh, le guet-apens. Des fois, la caméra, elle est très capricieuse, quand même. Hein, si tu me permets.
J'ai voulu fuir, j'ai pas réussi. J'ai échoué. Craque-noix. Je m'en fous de son talent piège parce que j'ai... J'ai Dracofeu, je suis un type... Vol. En vrai, on va aller à la centrale. Ah. Le pire, c'est que les repousses ne servent à rien. Ah, il suppose, en tout cas. Ok, on a trouvé le Pokémon le plus rare de la zone. Après... Après, c'est intéressant peut-être un jour de faire un let's play avec un Fermite, mais... Ok. Oh! Ah ouais, 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 ouais. Hein. Ok, vas-y, on va l'affronter lui là. Dibranymph. Bon, vas-y, de toute façon, Omega. Hein. C'est clair. Ouh, 42. Ouh. Ouais. En vrai, ouais. Ouais, niveau, c'est chaud là, parce que de mémoire, j'ai quand même quelques souvenirs de XY. Heureusement, j'ai quand même fait le jeu, mais il y a. Il y a des commandants à l'intérieur de la centrale. Hein. Donc, si les sbires sont 42. Tentacruel, cruel, est-ce que je dois HKO avec l'âme d'air? Je vais accélérer. Les combats sont longs. Hein. Ouais, le direct toxique va faire très très mal. Chop psy. Le 43 pour Goupling. 44 pour Azumarill. Electek. Mais il y a la Sun là, donc Lance-Flamme a assassiné Electek en fait. Genre il a tenu quoi. Dinguerie. Un peu d'escopette toujours avec classe. Hein? Le pass central, où est-il passé? Zut, pute et crotte de cabriolet, c'est le pass central que tu as là? Le style et l'élégance destinataire, mes raisonnements peuvent être du même tonneau. Devant ce gros caillou. En plus, tu veux la centrale avec. Ouais, exactement, ouais. Faut que j'ai la flemme de. J'ai même soigné que ce soit clair net. Voilà, on fait ça comme ça, on utilise la méthode de la feignasse. Ah mais du coup faut que j'aille là-bas là ou. Où il y a une Pokéball là-bas. Ah mais il y a un éclat rock. Ah mais d'accord. Et par contre je sais plus comment on faisait pour entrer dans la. Ta mère. Pardon. Ah, le Pokémon a disparu littéralement. Mais nique-toi. Hein? C'est quoi le bail? Si j'ai pas assez d'élan, je me fais baiser, c'est ça? Oh, mais c'est cauchemardesque!
pitié. Oui, canu. J'ai envie de péter un plomb. Après, je fais le malin, mais j'y étais, hein, à l'endroit du rocher et des clatrocs, hein. Mais pourquoi? J'ai pas assez d'élan, c'est ça? Oh. Qu'est-ce que c'est chiant? Ça va pas marcher là. Mais c'est un cauchemar, putain! Pire zone du jeu! C'est amusant pour personne! Oh. En fait, en vrai, c'est quoi? C'est que quand je fais ce truc, il faut que j'aille. Y'a pas un autre endroit là parce que c'est insupportable. Mais toi, je t'ai passé par là tout à l'heure. Mais une. Oh là 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 là. Je déteste cette zone. Hein. C'est officiel, je la déteste. Cauchemardesque. Mais en roller, c'est. Les rollers, c'est vraiment de la merde, hein. Les rollers, c'est vraiment de la merde, hein. L'objet est fine, en vrai. Ouais. Mais ça, c'est insupportable aussi, ça. Parce que les repousses ne fonctionnent pas, hein. Bien sûr. En plus, il t'attaque à une distance, genre. Cauchemardesque, quoi. Pfff. 20 minutes de vidéo, on a rien foutu à cause de cette zone de merde, hein. Thank you.
Gaze. Ok, faut aller là-bas alors. Le problème c'est que... Mais il y a un objet là, que j'ai toujours pas récupéré. Oh lui je me le prends 100%. Ah non il s'est barré, ok. Attends mais c'est quoi ces conneries là? Oh j'ai envie de rage quitte là. Oh la zone elle me casse les couilles. Oh la zone me fait chier. Oh la zone me casse les couilles. C'est officiel. J'en ai plein le huc. Je peux pas fuir les Pokémon en plus. Pourquoi avoir fait ça en fait? Genre les développeurs quand ils ont fait ça, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit c'est une bonne idée de faire ça? Après peut-être que quand on utilise des repousses, en vrai ça me coûte rien d'utiliser un repousse pour voir ce que ça fait. Parce que je croise vraiment rien avec un repousse, qui sait. Ça me paraît très invraisemblable, mais bon. Oui, non, voilà. Après, lui, il était déjà là. Peut-être qu'il y en a plus qui vont popper, mais... Je crois pas une seule seconde. Hein. Sachez-le. Ouais, non, ça sert à rien le repousse ici. Et sinon, je fais comment pour aller à la centrale? Quelqu'un m'explique? Parce que j'ai pas compris, moi. J'ai pas compris comment faire. Oh, peut-être. Alors, peut-être. Oh là 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 là. Mais il s'est barré lui. Il s'est barré en fait. C'est gaze hein. C'est complètement gaze. Ah ok c'est pas pareil des fois le vent et j'ai l'impression des fois ça souffle pas. Des fois ça s'arrête de souffler on dirait. Ou c'est moi qui... C'est moi qui rêve je sais pas. Mais typiquement là c'est... ça va là. Ça va mieux là. Ouais ça souffle plus là. Il faut... Du coup faut que j'en profite pour aller là-bas. Ouais, j'ai mis 20 minutes pour réaliser que des fois ça soufflait plus. Hein. On en est là. Hein. Et là, du coup, c'est revenu, c'est ça? Non. Ok. Ouais, c'est ça. Attendez, par contre, j'enlève ces rollers de malheur. J'ai pas éclatroc sur. Sur Brazegali? Comment ça? Éclatroc c'est une CS ou pas? Dans ce jeu là, je sais pas. C'est une CT. Du coup on peut lui apprendre les. Trop feu qui s'en fout. Tout le monde a pris grave. Donc ça va être soit l'Imagma, soit Gravalanche. C'est Gravalanche qui avait plus de chances de pop-pay de toute façon, donc au final c'est pas très étonnant. Que celui qui soit montré
Anti-brûle. Je crois que j'ai ramassé tous les objets, hein, vas-y. Ça dure longtemps, quoi, il n'y a plus de vent, là. Oui, il y a une CT là-bas. Bon, je sais pas y aller. Comme ça. Ouais, comme ça. Surtout que la CT, c'est quand même une CT très importante, hein. Ça serait comme dommage de pas y aller, quoi. Hein? Comment ça? Ah, je suis passé par là. Ça va. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue, hein. Permettez-moi de vous le dire, c'est pas dingue, du tu. Je vais pas passer par là, je vais pas passer par là. Voilà pourquoi. Oh, le jeu qui a ralenti. On va peut-être sauvegarder, hein. Il y a des questions que je me retape tout ce que j'ai fait, hein. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Ah, mais pourquoi le vent s'est arrêté là? C'est un délire, je comprends pas. Ça, j'aurais pu m'en passer aussi. Hein. Restera un mystère qui sera élucidé en commentaire par Dr. Chips. Ah, mais il est revenu lui! Ah, mais non, je suis passé! Hein. C'est pas du tout le même chemin en fait. Ah, oui, ok, c'était pas le même endroit en fait. Mais ok, non, mais ouais, non, mais je suis. Excusez-moi, hein, je suis. Complètement à la ramasse. Hein. Et lui, il me laisse passer en fait. Bon. Eh ben. Je suis à 30 minutes et on commence seulement l'épisode. Commencer un épisode à seulement 30 minutes, c'est pas mal, hein. C'est qui? Qui êtes-vous qui va là? D'où tu sors, mais qui es-tu? Il est amnésique, votre pote, hein. En vrai, non, il est pas amnésique, il connaît pas, mais... Vous avez compris, quoi. Ouais. Est-ce que je méga et je fais rebondi feu? Je suis très déçu. Probablement. En même temps, je me disais, c'est bizarre que mes tismas tiennent. Pas. Ah bah non. Mais t'es qui? C'est moi l'accélérer plus rapide qu'avant. L'accélérer est plus rapide qu'avant. Hein. Ouais, ça me va. Hein. Pour les combats chiants, ça me va. Non, celui-là, quoi. Genre il a vraiment fait hurlement, quoi. Il a encore fait hurlement.
soit. Bon. On va resave en vrai. Je sais plus si c'est grand ou pas la centrale, j'ai oublié. C'est moi ton adversaire, il a dit. En vrai, si on accélère tous les combats de sbires random, peut-être qu'on va pouvoir faire un épisode qui sera pas trop long. On fait toute la centrale. Moi, j'aimerais bien faire toute la centrale en vrai. Oh purée. Ah, j'aurais peut-être dû faire avec la troc. Ça l'aurait probablement tué. Dommage. À notre happening. Oh Pokémon, c'est chiant. Oh, Pokémon, c'est pas chiant. J'ai qu'à sensu, il va faire 0 dégâts. Vagaïd a une bonne défense P. Ouais. Après Jésus-Marie, le jeu il restera pas, mais au final, on s'est constaté qu'il est arrivé à nous arrêter une plante, quoi. Finalement, voilà quoi. Il arrive à nous arrêter plante, quoi, finalement. Évidemment, merci. Pas merci, hein. Pas merci en tout cas, j'espère que je les rappelle, hein. Pas merci, hein. Et non, retourner son Pokémon, c'est scandaleux. Hein. Enfin, je reviens avec l'occasion. Ah tiens, on peut voir Mega Brise Égalité. Bon, 3 fois depuis le jeu. Depuis le début du jeu. Save. À 35 minutes là. Après, est-ce qu'il y a des coupures dans la vidéo? Je sais même pas. De mémoire, non. Est-ce que j'ai des rappels là? J'ai eu la présence d'esprit d'en acheter. Donc. Insane, non? Ok. Ok, ok, hein. Ah oh ouais, non, mais là, les sbires, quoi. Oh là là. Là, il y a là les sbires. Et en plus, Roselia, il sert à R. Au secouru. Ah oui, d'accord, il fera pas celui. D'accord. Heureusement, j'avais vu Griff, quoi. Belle anticipation en tout cas. Non. Luxray. J'ai pas eu type sol hein, d'ailleurs. C'est vrai que Kricknut, du coup, pour le coup, Kricknut pourrait être utile. Parce que j'ai pas eu type sol. Oh là 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 là. Ils l'ont mis ténèbres. C'est sûr. Mais j'ai pas d'attaque combat sur Brise Égalité, hein. Et ouais. Ah mais l'avant-tardie... Ah non, merde, en 6G c'est encore à 50% la confusion. Non mais regardez. C'est bien... La confusion, le fait que c'est énervé, c'est pas plus mal, hein.
C'est plutôt une bonne idée, hein. Permettez-moi de le dire. Moi, j'avoue, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe. Mes excuses auprès de toute la commu. Ouais. Ok. Oh, c'est bizarre qu'ils aient pas mis un dresseur là. J'aurais fait, moi. Avale tout. Donc en Pokémon que Roselia gère bien, bien sûr. Niveau 44 pour Gupelang et Magmar. Ouais mais tu vas quand même prendre ta barre, hein. Ah. Problématique ça. Ah oui. Ah dommage. Et vraiment, vous imaginez que si je devais aller au centre Pokémon à chaque fois, mais ce sera, je répète un pont. Hein. Là, c'est vraiment le genre de zone où, t'es bien content d'avoir, d'avoir des soins, quoi. Je veux dire, t'es bien content, quoi. Léopardus, peut-être que je peux le gérer avec Roselia, allez savoir. Je pense bien. Ah mais... Ils utilisent tous la technique de... Ah oui, coup critique, hein, je sais bien. Ils utilisent tous la technique du... De Vantardis, visiblement. Hein. Oula. Le choc psy, il meurt pas. Hein. Oh, le miss des canons. C'est dommage. Et l'empérois... Lance-flamme, ça va le calmer, hein. Voilà. Ça l'a calmé, quoi. Vous l'avez tous vu. Il fait mal au mien de Pokémon, eh. Mais c'est bien, je m'en fous. D'ailleurs, hein, on voit bien que j'en ai rien à foutre parce que à la fin de chaque combat, je suis content. Hein. En tout cas, voilà. Ah, mais il y en a usé combien là? Watok, je gère pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Allez, dégage. Ouais. Là, mon bras égayé qui n'a pas d'attaque combat, on en parle? Oh, tu parles d'Aquajet, toi, Trust. Ouais, c'était. C'est sûr. Toi aussi. Ah, dommage. Après, il a feu ardent. Donc... Pas encore ardent, je veux dire. Pardon, c'est pas le bon jeu. C'est autre chose. C'est une carte dans Yu-Gi-Oh, bien sûr. Hop. Vas-y, on va mettre Dracaufeu parce que là. On sent que. T'es plus de dresseur là, on est d'accord. Hein. Oui, ça va être les commandants. Ah non, mais attends, mais je dois passer par où, là? Ah. Ok, j'avais pas vu.
Ok, donc là on est arrivé au stade où on va affronter les commandants. Ça va prendre encore combien de temps? C'est que l'effet qui vous intéresse, vous avez accumulé assez d'énergie pour procéder à l'activation. Bon, alors pressez-vous un peu, nous avons d'autres chakras à fouetter. Notre mission. Là par contre, là ça va s'ajouter à ma gueule. Nous débarrasser de ce curieux peut-être? Ça alors, il faut non seulement subir le petit personnel de la centrale, mais aussi l'invisible. Bah lui, ça va être chaud je pense hein. Bravo. Ah ouais ouais ouais. Ok. Ok. Ok, ok. Un peu cringe hein, ce qui vient de se passer, hein, n'est-il pas? Ah, mais voilà, mais voilà, mais voilà. Accélérer. Hein. Parce que c'est long. C'est beau, mais c'est long. Comment ça, Flash? Qu'est-ce que c'est que cette strat de FDP? Ok, donc il a moins 4. Azumarill. Azumarill, là, il. Carry, quoi. Voilà. Probat. Hop. Et il reste bien entendu le problème principal. Notre ami Raikou. C'est effectivement un problème. J'aurais dû me douter qu'il avait cette attaque. Honnêtement, j'aurais dû me douter. J'aurais dû me douter qu'il avait extrasenseur U. Ouais. Bon, il doit être EVIV, je le dépasse pas, hein, jamais. Ah si. C'est un fiasco complet. Le problème, c'est qu'il y a l'autre affronté derrière, quoi. Donc, on va passer un mauvais moment, quoi. Je passerai pas à cela, fais ton office bourré, là. Ah, avec plaisir. Passons à table, montre pas ce que tu as dans le ventre. Ah, ils ont peu de pas enchaîner les combats. Avec plaisir. Ça fait zizir. Bon, moi, ce qui est cool, c'est qu'après la centrale, on saura qu'il faut aller soigner, quoi. Donc, il faut aller racheter des objets, je veux dire. Let's go. En colis.
Voici les équipes de Civil, je suis chargé de recherche qui est achetée près de toute façon. J'ai une nouvelle mission, malheureusement pour toi, de devoir cette présence. Bon, j'espère qu'elle est moins dure que. Enfin, qu'elle est. Si Pokémon. Ok, c'est un combat. Sérieux. C'est un vrai combat. En vrai, rebondi feu avec Mega Dracofeu Y, Metal aussi sympa, non? Tiens. L'épisode sera très long, désolé. Voilà. Je compenserai avec Xenoverse très court, quoi. Ok, ça, ça one shot, c'est bien. Au moins débarrasser de Metalos, c'est déjà ça. Bon, il y a un légendaire dans cette team, c'est sûr. Bon, Aeropteryx. C'est pas une bonne nouvelle, quoi. J'ai obligé d'envoyer Azumarill, le problème c'est qu'il est weak à cause de. Enfin, que. C'est que. Ça. Enfin, il, s'affa... il affaiblit avec. Avec le climat, quoi. Ok, ça pue. Ok, ça pue. Vivre-griffe, ça serait fine, comme ça j'activerai à coup sûr Défaitiste. Est-ce qu'il le tient? Non. Si. De très très peu, mais il le tient. Et du coup, là j'active Défaitiste. Ah, s'il a des... ça se trouve, il a même pas Défaitiste dans le jeu. Le problème, c'est que j'ai perdu mon Azumarill, qui est un Pokémon essentiel à ma team. À moins qu'elle soit très très sensible au type feu et que du coup Dracofeu Y plus Gouplin peuvent terminer le café, mais pas terminer le café, mais fasse le café quoi. Mais... Voilà, typiquement voilà un Pokémon que Azumarill aurait bien été content de rencontrer. Éclair fou. En quoique Azumarill aurait pris tarif, mais il aurait tenu. Et surtout. Arrête, j'ai Heartchoke, hein. J'aurais dû envoyer. Non, quoique, non, bah non. J'ai switché Dracofeu pour envoyer. Pour envoyer, ouais. Non, j'ai... du coup, non. Bon, vitesse extrême, il l'a, hein. C'est indéniable. Donc, je peux pas faire dans Slam. Hein. Après, si, j'ai pas le choix en fait. Ok. Alors, peut-être. Ne fais pas vitesse extrême, s'il te plaît. Ok, nice. Je pense que je le tue. Ouais. La défense, bon, c'est pas grave ça. Ok. Pff. Force tu, non? Ouais. Brazigali va te carry. Karma, j'ai plus Azumarill. C'est regrettable. C'est regrettable. D'autant plus qu'il tient le force sans problème, lui. Il va quand même prendre une barre, attention. Voilà. Dracocharge, j'ai fait ça. En dessous, je l'aurais jamais tenu. Même en n'ayant pas un milliard de boost en moins en def. En spé.
Bah, tout dépend de son dernier Pokémon, parce que je crois que là, il en reste plus qu'un, non? Ouais, il en reste plus qu'un. Bah, tout dépend du dernier, quoi. Est-ce que Dracaufeu le gère ou pas? Ok, c'est Mega Heracross probablement. Niveau 47 aussi, Mega Heracross. Et c'est x 4 vols, hein, donc techniquement, ça va. Comment il fait plus que moi? Merci la sonne, hein, mais comment il perd plus que moi par contre? T'es fort toi, oui, t'es vraiment fort. Ouais, j'ai chaud, hein. Ah ah ah! Tu me plais bien, j'espère que nous nous reverrons. Zut alors. J'ai déjà réglé leur compte au mystérieux intrus, c'était notre travail normalement. Ah. Plus de super-héros, c'est-à-dire mieux protection, vous avez tant Kalos. Entre collègues, on peut s'entraider, tiens, la responsabilité de ton équipe. Tu vois, une équipe héroïque. Attention de ne pas jouer dans la cour des grands si tu n'en as pas l'étoffe. Prends donc ceci, collègue, pour assurer tes arrières. Quand même. Restons le courant revenu à Lumis. Je veux dire que la porte sur la route 13 aurait fonctionné à nouveau. Qu'on n'a plus rien à faire ici, au revoir. Ok. Du coup, bah, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Désolé de la longueur. Je vais essayer de voir si je peux faire des cuts, mais je sais pas. C'est vrai que la zone où je suis paumé et que je rage, c'était pas le plus intéressant, mais bon. Ça peut vous faire rire, quoi. En tout cas, j'espère qu'en tout cas que l'épisode vous a plu. Et la prochaine fois, bon, on essaiera du coup d'arriver à Lumis. Le problème, c'est que la reine électrique qui se profile à nous, on a un très mauvais match-up. Et en plus de ça, on est sous level. Donc c'est pas foufou, quoi. Bref. Je re-sauvegarde, alors je vais le sauvegarder, mais... moi, ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Malgré tout, pouce bleu, si c'est le cas. Commentaire, si vous avez quelque chose à dire. Et pour la suite, ciao bye tout le monde.